Bonjour. Voilà, je vais vous présenter Edmodo, qui est une plateforme de formation à distance qui a l'avantage d'être gratuite. Vous pouvez donc, si vous n'avez pas de gros système dans votre établissement, l'utiliser pour mettre des cours, organiser des activités pédagogiques à distance avec vos élèves. La première chose à faire, c'est de s'enregistrer. Donc, vous créez votre compte enseignant. Il s'agit, vous l'avez compris, d'une adresse bidon. Ne pas oublier de dire que vous acceptez les conditions et vous vous inscrivez. Voilà. Ce qu'on vous propose ensuite, c'est de déclarer votre école. Alors, c'est tout à fait facultatif, c'est-à-dire vous pouvez dire, par exemple, que c'est université ou école à domicile et on ne vous demandera rien d'autre. Si vous pensez être plusieurs utilisateurs dans votre école, donc déjà existants ou à venir, vous avez intérêt à créer votre école. Donc, vous pouvez chercher avec l'outil de recherche, donc il vous donne la liste des écoles déjà enregistrées. Si vous ne trouvez pas votre école, vous pouvez l'ajouter ici. Donc moi, pour la démonstration, je ne vais pas déclarer d'école, je vais simplement dire on est une université. Next step. Votre profil, vous pouvez mettre une photo, mais vous pourrez le faire ultérieurement. Par contre, ce que je vous conseille tout de suite, c'est de mettre ici un complément à l'adresse. Voilà, pour que vos étudiants, vos élèves, vous trouvent plus facilement. Voilà, donc bien sûr, cette adresse ne doit pas déjà exister par ailleurs. Next step. L'inscription à une communauté est tout à fait facultative. Si vous vous inscrivez par centre d'intérêt, vous verrez arriver sur votre page Edmodo plein de messages, mais la plupart sont en anglais. Donc, à moins que vous n'ayez pas de problème avec l'anglais, je vous le déconseille. Donc, go to my homepage, pardon. Et voilà, notre espace est créé. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est créer votre classe. On crée un groupe, plus créer, on le nomme. Alors, les deux renseignements suivants sont obligatoires, donc vous cherchez un niveau scolaire, un centre d'intérêt, on crée le groupe. On vous demande la taille prévue du groupe, vous pouvez dire que vous ne le savez pas, ou sinon l'indiquer, la description est tout à fait facultative. Et voilà, votre groupe est créé. Alors, vous voyez qu'il y a des petites bulles d'aide qui vous aident. Donc, ce qui est important, c'est ce code ici. Vous allez fournir ce code à vos étudiants. Et les étudiants vont devoir s'inscrire, créer un compte étudiant et indiquer ce code lors de l'inscription. Ils seront ainsi intégrés directement à votre groupe. Je me suis déconnecté provisoirement pour vous montrer l'inscription étudiant. Donc, on clique sur « Pour étudiant » et vous voyez ici, on peut tout de suite mettre le code du groupe que nous venons de voir précédemment. Donc, l'étudiant va mettre son nom d'utilisateur, son mot de passe. Il n'est pas obligé de mettre d'adresse mail, donc avec des jeunes élèves, ça c'est intéressant. Il met son prénom, son nom. Il dit qu'il accepte, et ses parents, s'ils sont mineurs, prévenez-les, qu'il accepte les conditions d'utilisation, et il s'inscrit. Nous voilà de retour dans notre espace en tant qu'enseignant. Dans notre groupe, je vous recommande de régler rapidement les paramètres.
Donc tout en bas, la première case, si elle est cochée, les messages de ce cours apparaîtront sur votre page d'accueil, donc ici. Et autre paramètre, est-ce que vous souhaitez avoir des notifications par mail? Alors SMS en France, ça ne fonctionne pas. Donc notification par mail de l'activité de ce groupe ou pas. Ensuite, allez dans paramètres du groupe. Vous retrouvez les réglages qu'on a fait précédemment et ici deux réglages supplémentaires. L'un est modérément important. Vous pouvez dire tous les nouveaux membres du groupe seront en lecture seule. Donc ça vous prive de l'interactivité, c'est pas génial. Par contre, avec des élèves dont vous n'êtes pas sûr tout à fait des propos, vous pouvez modérer tous leurs messages, c'est-à-dire qu'aucun message ne sera posté, ne sera publié sans que vous l'acceptiez. Vous pouvez, vous voyez ici, archiver un groupe dont vous n'avez plus besoin provisoirement et bien sûr l'effacer. Ce que je vous conseille de faire aussi rapidement, c'est d'aller régler vos paramètres de compte. Donc vous pouvez mettre une photo, maintenant ou tout à l'heure. Je vous conseille de vérifier votre adresse mail. Donc vous allez recevoir un mail avec un lien de confirmation. Vous pouvez mettre une adresse mail de secours. Changer l'école si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Et vous voyez tout en bas, désactiver votre compte, donc supprimer votre compte si vous avez fait un test et que vous ne souhaitez finalement pas utiliser Edmodo. Donc, réglage account, email text update, vous pouvez, en décochant, recevoir moins de notifications par mail. Donc ça, vous voyez ça à l'usage. Je vous conseille de les laisser tous cochés. Et puis, si vous êtes un peu envahi, vous décocherez ce qui vous intéresse le moins. Vous pouvez bien sûr modifier votre mot de passe. Bloquer les demandes de connexion, bon, ne le faites pas, sinon vos élèves vont plus pouvoir se connecter à votre compte, à votre groupe, pardon. Ça, par contre, c'est pas utile. Et afficher mon profil seulement à mes connexions, donc seulement aux gens qui sont dans les mêmes groupes que vous. Nous voici de nouveau sur un autre espace. Je vais vous montrer d'autres réglages pour les groupes, mais pour cela, il faut que les groupes soient un peu peuplés. Donc, si je vais sur ce groupe, j'ai accès à la liste des membres. Alors, vous allez remarquer ici que tous les membres sont professeurs, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un groupe à qui j'ai demandé de se créer un compte professeur. Donc, si un professeur rejoint votre groupe, il sera automatiquement professeur. Vous pouvez le dégrader en quelque sorte en coprofesseur. Il ne pourra pas gérer, par exemple, justement, les membres du groupe, inviter d'autres personnes, etc. Ou en lecture seule, mais en lecture seule, il ne pourra que consulter. Et vous voyez, bien entendu, que vous pouvez retirer à tout moment quelqu'un du groupe. C'est vous le propriétaire du groupe. Tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de ce petit cadenas ici à côté du code. Donc quand tous vos élèves seront inscrits, eh bien vous pouvez fermer le cadenas, donc ça empêche d'autres inscriptions. Il se peut en effet qu'un élève, un de vos élèves communique à quelqu'un d'une autre classe le code d'inscription et du coup vous aurez des passagers clandestins. Donc pour éviter cela, quand tous vos élèves sont inscrits, vous bloquer le cadenas. Alors, Edmodo le fait automatiquement au bout de X jours, je ne sais plus combien exactement, mais par sécurité, faites-le dès que tout le monde est inscrit. Vous constaterez, quand on est dans un groupe, qu'il y a la possibilité de créer des sous-groupes, donc ça peut être pédagogiquement intéressant. Voilà l'essentiel pour démarrer, se créer son compte enseignant, inviter les élèves à créer le compte étudiants et à rejoindre le groupe, gérer le groupe, gérer son profil. Dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer les activités pédagogiques possibles avec Edmodo.